Fume sec. Fume sec, tu es là? Mais où est-ce que j'ai mis ma baguette? Ah, viens là. Lumos. Ah, c'est pas suffisant. Lumos maxima. Voilà, on y voit plus clair. Ah, fume sec. Une nouvelle année scolaire commence à Poudlard. Quel bonheur de bientôt accueillir nos nouveaux élèves. Ah, je vois qu'ils sont déjà arrivés. Nous allons pouvoir faire appel. Monsieur Néo Potter. Monsieur Néo Potter? Mais où est-il? Ah, mais suis-je distrait? C'est Edwige. Et voilà Poudlard, et pas Tampon. Fume sec. Il faut faire apparaître nos élèves. Néo Potter. Oh, présent, monsieur. Bien. Swan Weasley. Présent, monsieur. Bien. Sophie Granger. Bien, tout le monde est là. Les enfants, bienvenue à Poudlard pour cette nouvelle année scolaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Potter. Pourquoi il n'y a plus le Shadow en fait? Oui, Miss Granger. Eh bien, parce que pour être en sécurité par rapport au monde moldu, il y a un sort sur le château et personne ne peut le voir. Tout à fait, bien répondu, Miss Granger. C'était dans le manuel, page 1174. Vous avez bien révisé pendant les vacances. Bien sûr. D'autres questions? Oui. Monsieur Weasley. Pourquoi on n'a pas de bureau? Je sais. Miss Granger? Oui. Eh bien, tout simplement comme indiqué à la page 689 de notre manuel, les bureaux cette année sont superflus puisque nous allons apprendre des sorts de lévitation. Parfaitement répondu, Miss Granger. Ah, voilà. Bien, nous allons pouvoir commencer par le cours de botanique. Monsieur Weasley, pouvez-vous me rappeler quel est le nom de la plante que nous allons étudier aujourd'hui? Monsieur Weasley? La mangor? Monsieur Potter? La brume, non? Monsieur Weasley? Il y a mandibule? Non! Miss Granger? C'est la mandragore! Pardon, pas tant. Combien les pages du manuel? Ah, page 492! Vraiment? C'est très juste, Miss Granger. Vous avez parfaitement répondu, comme d'habitude. Merci. Voici la mandragore. Monsieur Weasley, nous allons maintenant rempoter la mandragore. À vous de jouer. Ah! C'était quoi ça? C'est normal, c'est la mandragore qui réagit comme ça. Allez-y doucement, doucement. C'est marrant. Vous tirez doucement vers le haut. Ah, c'est horrible ce machin. C'est vrai, c'est correctement. Génial. Bon, nous continuerons le cours de botanique plus tard. Ah oui, Ron, je ne vais pas encore au point. Allez, monsieur. Désolé, bonjour. Bien, nous allons passer maintenant à l'étude des animaux magiques. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Voici le livre monstre. Une créature difficile à apprivoiser. Mais ça arrive. Un livre monstre? Tout à fait, monsieur Potter. Qui veut essayer de l'apprivoiser? Monsieur Potter? Non, c'est bon. Je vous en prie, allez-y. J'espère que tu as bien lu le magazine, page 1492. Il y a toutes les explications pour arriver à dompter le livre monstre. Et lâche-moi avec ça. Gentil monstre. Est-ce qu'il me les caresse? À toi de tester. Comme l'a dit Miss Granger, toutes les explications sont dans le manuel. Bien sûr. Allez, Vous devriez le savoir, monsieur Potter. Tu devrais le savoir. J'ai entendu un bruit. Allez, s'il vous plaît. Sois gentil avec moi. C'est pas grave. Le manger. C'est quoi ce livre horrible? Allez, monsieur Potter, il faut persévérer. Je vais essayer. Bah, viens, ça va bien. On peut repartir, monsieur Potter. Calme-toi. Bah, essaye de l'ouvrir, vous arrivez. Ce n'est toujours pas le bon sort. Oh, mais c'est pas bon. Bah, essaye de l'ouvrir. Simplement comme avec un riz. Il va se faire mort. Ah, j'ai entendu. Non. Comment on fait? Monsieur Potter, j'entends beaucoup plus de vous. Allez, c'est bon. Dernière fois. Allez, ouvre-toi! Aïe! Aïe, il m'a mordu!
Sacré bestiole. Ça va? Tu veux pas essayer? Ça va pas être compliqué. Viens, mon petit. Éducatus, bonne manierus, bien élevéus. Très bien, Miss Granger. Mais comment elle fait pour m'ouvrir? Il suffisait d'avoir lu le manuel. Excellent. Voilà. Tiens. Gentil. Bon, allez, je l'ouvre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est des sachets? Des sachets de Lego? C'était pas du tout dans le manuel, ça. Ah, mais attends, je connais ce manuel. Attends, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai ouvert, donc tous les sachets sont pour moi. Tiens, du calme. C'est moi qui ai ouvert le livre monstre. Comment ça va casser? Ce sont des sachets. Superfix. Superfix. Ah, ça a marché. Pour une fois, j'ai fait un sort. Allez, bien fait. On a les sachets d'ego. Yes. Ah, en fait, elle va bouger, je pense, dans 2 mois. Dans quelques heures. Ouais, d'accord. On aura le temps d'ouvrir les sachets. Bon les enfants, moi je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous au ministère de la magie. Oh, parfait. Allez. Ah, super. Okay. On va pouvoir ouvrir nos sachets. Yes. Attends, je reviens. Oh, super Annie. Oh. Ça va être parfait pour lui. Oh, il va s'endormir. Allez, bonne nuit. Allez, je on a réussi. Faites du magie. Allez. Yes. Yes. Allez, soit c'est parti. Bonjour. Il y a deux voix qui on va voir. Oh, t'as le livre, montre, Swan. On va commencer par Lego. Allez, c'est parti, on construit. C'est normal qu'il y ait autant de Lego alors qu'il y avait très peu de sachets. Écoute, c'est la magie, hein. Ok. C'est quoi la première figurine? C'est Harry Potter. Harry Potter, voilà la première figurine. Franchement, elle est magnifique, hein, tu trouves pas? Wow. Ah ouais, le livre, elle est très belle, hein. Les détails, wow, trop trop belle. Franchement, comme première figurine, magnifique. Deuxième figurine. Ici, on a Hermione avec une bière au beurre. Sympa. Mais la bière au beurre, c'est comme de la bière normale? Non, il n'y a pas d'alcool. Ah, ok. Et ici, Swan, on a... Je sais pas qui avec de la bière on au beurre. On a... Ron. Attends, il boit vraiment de la bière au beurre? Bah oui, c'est Ron, c'est toi. Ah! Oui, c'est toi, salut, ton moi. Ami. Ah bah, ils ont l'air de beaucoup aimer la bière au beurre. Hein. Ah bah, c'est trop bon, la bière au beurre. Ici, on a la figurine de Neville Longdubas. Qui est pas très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il a un livre monstre. Il va nous manger. C'est le même que le nôtre. Regarde, il a même les petites dents juste ici. Il fait peur. Et ici on a Luna, voilà. Très sympa, avec son chapeau lion qui est juste ici qu'on peut lui mettre comme on veut. Voilà, très très beau. Et ici on a un gars qui travaille à la banque des Grignotes. Voilà, donc son épée est magnifique. Franchement l'épée, rien à dire. Je sais pas, mais non, elle est magnifique. Magnifique, vraiment trop belle. Mais sinon, lui, moins beau, hein. Il fait peur même. Et ici, on a Jenny. Mais c'est qui, Jenny? Bah, c'est ta sœur, Ron, enfin. Et ici, on a qui? On a Mimi Géniard. Le fantôme des toilettes. C'est ça, qui pleure. Avec son livre, vraiment les détails, magnifique. Et ici, on a Béatrice d'Estrange. Mais elle a des menottes? Ah oui, elle a fait un petit tour à Azkaban avant. Voilà, avec son étiquette Azkaban juste ici. Oh, ici on a le professeur Chourave avec une mandragore. Oh, tellement mignon. Au moins sa tête, c'est. Ça fait rire presque. On dirait Ron. Il est pas déraciné, hein. Ouais, enfin, c'est déjà déraciné. Bouge-toi les oreilles. Ici on a Lily Potter, la mère d'Harry, avec bébé Harry, voilà. Juste ici. Oh. Quand tu étais petit. Voilà, c'est ça. Et voici le père d'Harry, James, avec la petite photo animée. T'as vu, c'est ton père, Léo. Oh. Ici, on a Fred et George Weasley, voilà, les deux frères jumeaux. C'est ouais, c'est ça, Ron. Et du coup, regardez, ici, il y en a un qui a la carte du maraudeur, voilà, magnifique. Et un autre qui a... Une valise. Bon, une valise, il fait de la vente, c'est des farces à la trappe. J'ai l'impression que c'est ça. Ici, on a Kingsley Shacklebolt. Mais c'est qui, en fait? C'est un puissant sorcier qui infiltre le ministère. Voilà, magnifique costume, c'est un allié de Dumbledore. Ici, nous avons Albus Dumbledore, le grand sorcier, avec Fumsec, son magnifique phénix. Et là, il en est où de sa réunion au ministère de la magie? Non, ça avance, ça avance. Yes, on va pouvoir les emmener au dortoir. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière Hermione? Il y a une idée. J'ai une idée. C'est quoi ton idée? Transformus Ridiculus. Ah, je vois ce que tu veux faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais, bah, qu'est-ce qu'il y a, Hermione? Mais je suis emprisonnée dans une figurine. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est sûr que tu as appris. Oui. Et au moins, ça servira à quelque chose. C'est sûr. Celui-là, tu le connais pas, Hermione, hein. C'est dans les farces et attrapes. Laissez-moi sortir, les garçons. Oh. Bois la bière au beurre. Tiens, ton ami. Ah, Croutard, tu sens tellement mauvais. Non. Avez-vous des questions? Oui, moi. Oui, Miss Potter. Monsieur Potter. Non, lui c'est Monsieur Monsieur, je crois que vous êtes trompé. Je n'ai pas encore tous les deux en tête. Hein.